espère que vous allez bien. Nous, ça va super méga giga bien, Néo. Taquet. Ta-ta-ta-ta-taquet. Yeah. You. Ping. Pam. Poum. Pish. Tache. Oh, la meuf a 85 ans, quoi. Non, mais sérieux. Pourquoi 80... C'était hyper vieux comme disait. Ouais. Youpi. Yeah. Ils sont dans le Big Deal ou quoi? On est le 1er avril. Qu'est-ce qu'on fait le 1er avril? On fait des blagues. On fait des pranks. On va piéger nos proches. On va faire un remake du canular téléphonique. Le dernier date de... 2008, je crois. Non, mais pas, on était même pas sur YouTube. C'était nul. Donc voilà. Oui, on vous invite, d'ailleurs, si c'est pas encore fait, au passage, venez nous suivre sur nos comptes Instagram, Le Vrai Ninou, l'atelier de Roxane. On partage encore plus de moments hilarants ensemble. C'est pas drôle. Comme d'habitude, nous n'avons absolument rien préparé. Voilà, nous allons, mais on y va à l'instinct. C'est ce qui fait la blague réussie du 1er avril. On va donc appeler des proches et tout simplement les piéger au téléphone. Ou des, pas forcément des proches. Peut-être des éloignés. Des inconnus. Des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Oh non, j'ai une idée pour le premier. Ah. Alors, c'est un truc que tu connais sûrement, le Sahara. Ouais, le désert, je suis jamais, j'aime pas le chaud. J'ai les pieds qui suintent l'été, après ça me met pas bien. Sarah, bon, c'est une vanne que je faisais souvent avec mes frères quand j'étais gamine. L'idée, c'est que t'appelles un numéro au hasard, donc du coup de quelqu'un que tu ne connais pas. Mmh. Quand la personne décroche, tu dis oui, allô, vous connaissez Sarah? Et là, quasiment tout le monde va te répondre non. Et là, tu réponds, ça raccroche. Je la connais, et tu raccroches. Tu raccroches, après tu peux même faire la vanne, ça rappelle. Oh, c'est rigolo. Non, ça suffit. Ah, je connaissais pas ça. Eh. Ah. C'est une vanne. On commence vraiment par le must du prank. Mais oui. Ouais. Non, mais c'est le plus connu de tous des pranks téléphoniques. D'accord. Donc, ce que je te propose, vu que tu l'as jamais fait, tu inaugures, tu composes un numéro au hasard. T'imagines, la meuf s'appelle Sarah. Fais-le sérieux. Ah, mais... Il va pas décrocher. Mais alors? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est qui? Bonjour, est-ce que vous connaissez Sarah? Sarah? Mon chat qui s'enfuit il y a 15 ans, Sarah? Vous l'avez retrouvé? Chérie, Sophie, préviens des enfants, ils ont retrouvé Sarah. Ça raccroche? Du coup, je fais ça rappelle ou pas? Hein? Bah, non. 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 Idée suivante. Ouais, ouais. Non, oui, idée suivante. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, au pire, faut qu'on appelle les gens qu'on connaît. Ouais, parce que là, c'était un peu gênant. Ta mère. Pourquoi ma mère? Pourquoi pas la tienne? Mais parce qu'elle parle la tienne et tout, ça peut être bien. Tu fais croire t'es enceinte. Bébé, jamais elle croira. On vient d'avoir un bébé. Mais ça va. Mais je te dis, ça marche. Ta mère, elle croit tout. Elle peut marcher. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je pense. Mais non, si je viens. Oui, bon, je vais voir. Oui, ma chouette. Oui, ma. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va, j'attends les livreurs de meubles, là. Et les travaux, alors, t'en es où? Parce que je sais pas, Loïc, il a... là, il te reste quoi à faire? Des petites conneries, mais il me reste... Non, parce que, en fait, j'ai besoin d'électricien, j'ai besoin de... Oui. Non, mais parce que j'avais un... De farine. Non, c'est relou. J'avais un truc à t'annoncer, ment. Sur certains moments des murs. On m'a dit, moi, je peins pas là-dessus. Il faut d'abord refaire un enduit. Et je suis enceinte. C'est bien, c'est simple, j'ai eu une liste. Non, mais t'as vu, n'empêche, c'est incroyable. 5, 6, 8, 9 choses à encore 45. Et j'ai pas appelé à tout le monde. Ça, je l'ai pas appelé. Maman, je suis enceinte. Maman. Ça me paraît bizarre. J'attends très triste. Ah, t'écoutes, elle s'en carme. C'est sympa les discussions avec ta mère, en tout cas, il y a un vrai échange, quoi. J'ai pas d'idée, mon corps, moi. Bah écoute, moi je peux avoir une idée qui potentiellement peut marcher. D'accord. Si on appelle Bart, le patron France de YouTube. Mais non, mais oui, mais c'est énorme. Genre, on prank le patron YouTube France. Mais c'est notre patron. Mais ça va, mais il est drôle, il est délire. C'est pas non plus le patron. Bah tu le fais, toi. Hein. Mais oui, je le fais, tu vois. Tu ne devrais pas le faire. Allô? Oui, allô? Oui, c'est qui? Oui, oui. Est-ce que c'est Bart? Oui, c'est bon. Oui, ben, Bart? Barre-toi de là! C'est pas mal, hein? Non? C'est quoi? Mais on va se faire virer, tu m'en redes, c'est drôle, barre-toi de là. Ah, excuse-toi. Il a pas mal pris. Excuse-toi, quand même. T'es sérieux? Ah, mon chat, ouais, quand même. Oh là là.
C'est rien, mais vraiment. Ah oui, oui, non, il va mal le prendre. Oui, Bart, c'est Roxane, ouais, c'est moi. Ouais. Non, mais c'est juste pour te dire que c'est une vanne. Roxane Roxane. Roxane qui, c'est quel nom de famille? Roxane, de YouTube, Bart. Roxane, de YouTube, c'est quoi ton famille? Je connais pas. Non, mais la chaîne, l'atelier de Roxane, tu me prends ou quoi? Roxane, youhou, les gourmandises. Non, je connais pas. Non, mais non, Bart, j'ai des millions d'abonnés sur YouTube et je fais des petites blagounettes avec mon mari. Juju fait 4. C'est toi, ma Juju, tu me fais une blague? Ah, oui. Oui, mon petit chat, t'es trop fort, c'est une blagounette. Oui, c'est mon bon, chaton. Bim, Juju, on va manger du poulet. Non, on va aller manger du poulet. Okay. Bisous, Bart. Allez, bisous, bisous. Putain, mais c'est la honte, il te connaît même pas. Bon, mais cherche un prank un peu, là. Ouais. C'est moi qui cherche depuis le début, c'est relou. Non, mais sinon, on a qu'à appeler Guillaume. C'est un pote à moi. Il parle pas trop parce que ça fait comme ma non. mère. Non, non, il parle pas trop, tu vas voir. Okay. Mais par contre, faut que je le fasse toi parce qu'au moins il me connaît. Je lui dis quoi? Bah, sort un truc. Hein. Bon, on tente la blague de Sarah. Oui, voilà, fais Sarah. Guillaume? Ouais, Guillaume. Allô? Allô? Guillaume? Oui, allô? Non. Allô? Non, attends. Je suis con. C'est pas le bon numéro? Ah, je suis con. Pourquoi on fait ça? Il sourd. J'ai oublié. Chaque fois, j'oublie que je l'appelle. Bon, j'ai... On a dû la préparer, mon chat. Là, on galère à trouver des noms et tout, là. On va pranker quelqu'un, mais par contre, ça nécessitera une contrepartie. C'est-à-dire? C'est quelqu'un d'un peu vulgaire, donc peut-être qu'il y aura un peu de censuration dans la vidéo. On va se faire bloquer la vidéo. Ça peut être pas mal du tout. T'appelles qui? T'es con ou quoi? Eh bien. Mais il va le savoir, il est là. Ah oui, bah, elle sort deux secondes. C'est une bonne vanne. T'as vraiment plus d'idées, quoi. On passe pour des cons. Oui. Oui, oui, on passe pour des cons. Allô? Tu connais Sarah? J'ai une idée. Ouais. J'ai une idée. La semaine prochaine, on a l'OP, là, tu sais. Ouais, et je vais les appeler. Mmh. Et je vais négocier un budget de fou style 1 million d'euros. Bah, ils vont jamais vouloir. Ah, bah, justement. C'est le prank. Hein. On essaye, quoi. Bon, allez, vas-y. Hein, ce sera mieux que Wink, c'est le Wink, tu vois. Il faut jamais être grand. Allô? Allô? Oui, c'est oui, c'est Loïc, ça va? Ah, oui, Loïc, ça va. Très bien, et toi? Ça va bien. Écoute, je suis un peu gêné de t'appeler pour ça. Tu sais, par rapport à l'OP de la semaine prochaine qu'on a négocié, là, 4000 euros. Voilà, nous, on a renégocié nos tarifs avec Roxane. Et en fait, on, voilà, on va pouvoir le faire, mais que à partir d'un million d'euros. Je suis désolé. Vraiment. T'es sûr? Ok, d'accord. Ah, vous êtes ok? Ok. Mais t'as 1 million. Non, j'ai dit 4. 4 millions. 4 millions. Et on veut tourner à Bora Bora par contre. Ah oui, non. Ah non, non. Là, alors ça, c'est un. Ah non, non. Là, ça, on change pas. On veut aller à l'aéroport en Tesla aussi. Ah oui, tu sais, l'empreinte carbone et tout. C'est... Adeline. Oui, c'est Roxane. Non, c'est un prank. C'est pas un prank, Adeline. C'est un prank. Non, mais Adeline. Oui. Mais oui, on fait une vidéo YouTube. Mais... T'es sur YouTube là. Adeline, oui. C'est pas on un prank. On la diffusera bientôt. Pas du tout. Bora Bora. Oui. Ouais, non, et en première classe, j'ai pas on a pranké ma mère et tout, trop drôle. Non, ouais. C'est pas Adeline. Je te fais des bisous. Passe-moi là. Oui, on se tient au jus pour l'OP. Arrête, t'es relou. Oui, on se tient au jus. Mais la semaine prochaine. Adeline, oui, c'est pas un prévu. Prank. Bisous, bisous, bye. Mais quel est con. C'est le but d'un prank. Si tu dis pas que c'est un prank, la pauvre, elle va croire que c'est vrai. Mais que t'es con. Mais c'est quoi On sera à la Bora Bora, là. Bon, bah écoutez, cette vidéo prank canular téléphonique est terminée. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on aura énormément rigolé pour cette vidéo. Oui. Et on vous aime de ouf, de dingue, de malade. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Oh, les oh, c'est énervant. Je sais, ça m'a énervé. Pas sur YouTube. C'était nul. Donc voilà. On sait que le deuxième tournage, c'est toujours celui qu'il ne faut pas faire. Et quand la personne décroche, tu fais « Oui, allô, Sarah ?» La personne va sûrement te dire « Non, Sarah... » Non, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Tu connais Sarah. Allez. Oh, elle est nulle à chier, quoi. Oh, elle est nulle à chier, là. Excusez-moi, vous savez... Tu veux que je fasse la deuxième voix? Mais non, ça va se voir. Oh, mais c'est un festival aujourd'hui, là. Ah non, mais ça va se voir, gars. On n'est pas à la radio, hein. Oui, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez Sarah? C'est trop dur. Mais c'est super dur, est-ce que tu veux que je fasse moi la deuxième? Mais oui, mais oui, c'est trop dur, sinon. Chérie, Sarah? Non, non, tu peux pas faire la deuxième voix. Est-ce que ça va s'en prendre au micro?
Mais c'est bon. Oh là, la vidéo en vrai. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Oh, les frères et sœurs, ils sont catastrophiques. Oh, c'est là. Sarah. Oh, mais comment on fait avoir 4 millions d'abonnés, moi. On est plus de 5 au parleur. Elle est sérieux. Je te réponds, faut qu'il réponde. Allez, Yoann. Non, mais regarde. Allez, vas-y, c'est bon. Le tournage. Allez, allez. En t-shirt. Mais allez. Est-ce que vous connaissez Sarah? Sarah. Ah, vas-y, elle en est marre. Tête de ma mère, c'est trop. La machine à café. Après, il faut qu'il réponde. Ça raccroche. On veut tourner à bord. C'est un prank, Adeline. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais laisser aller plus loin. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu vas bien. Adeline. Adeline. Oui, c'est un prank. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta tête. C'est mon téléphone. Il faut que je me compte. Oui, Adeline. Oui. Sur une heure, quoi. Je vais pas y arriver. Non, il faut que je me concentre sur autre chose. Prends le carbone. Adeline. Oui, c'est vrai que ça... Non, c'est un prank. C'est un prank. Ah oui. Oui. Putain. Non, j'ai...